Ceci, c'est quelques perspectives que je voudrais, à ma modeste personne, en tant que responsable des femmes de la filière artisanale, souhaiter une très bonne saison de pêche. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Pour ma part, au nom du coordonnateur, je vous invite à toujours privilégier le dialogue, l'unité, la bonne entente, la cohésion dans une ambiance conviviale et le travail acharné est bien fait en vue d'atteindre des résultats significatifs pour cette année de pêche 2023-2024 qui vient de s'ouvrir. Acclamons tous à l'accompagnant, le représentant de la marraine de Madame Aminata, je nomme le président Bakayoko, président de la FENASCOPSI. Comme c'est la première coopérative qui a manifesté son désir de lancer ses activités, la marraine étant saisie de telle situation, elle fournit un équipement qui serait bientôt là de l'Europe pour les femmes unies. La marraine me charge. Yes! De dire à la coopérative sur la femme unie que c'est un début. Ça ne fait que commencer. Elle me donne une petite somme de 10 millions de francs. À votre nom ce matin, parce que Madame Diomandé Aminata, il n'y a pas quelqu'un ici qui ne la connaît pas. C'est nous toutes, notre maman. Et cette année, c'est Malfa Femmes Unies a décidé de lui adresser une correspondante pour qu'elle parraine notre activité d'aujourd'hui, le lancement de nos activités. Aujourd'hui, voici la marraine, Madame Diomandé, a fait parler son cœur à l'endroit de ces Malfa Femmes Unies. Nous sommes là pour lui dire merci. Merci pour cette relation qu'elle a toujours gardée avec la coopérative Sema Alpha Femmes Unies. Maman, par les voix des femmes du débarcadère, tes enfants, nous voulons ce matin te dire merci. Un grand merci. Les mots nous manquent même. Nous ne savons même pas quel vocabulaire employer parce que nous n'avons pas fait de grandes études. Mais ce que nous ressentons dans notre cœur, c'est que Dieu te bénisse. C'est vrai, tu n'es pas là. Tu te fais représenter là où tu es. Que la faveur de Dieu,
Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Pour que tu puisses venir nous trouver en pleine forme. Pour que tu puisses voir les activités que tu nous as aidées. Et ces activités que nous allons mener, tu vas voir les fruits de ces activités. Nous te disons merci, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse ton foyer, que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse toute ta famille. Que tu aies longue vie. Moi qui tiens le micro, Dieu m'a fait grâce. Mon père a eu 120 ans et il est mort en 2021. Maman, que tu dépasses les 120 ans que moi mon père a eu sur cette terre. Amen. Parce que tu es une femme, tu as un grand cœur. Tu es une femme, tu aimes l'homme. Malgré les années, tu nous as gardés dans ton cœur aujourd'hui. Tu as manifesté ton amour envers nous. Nous voulons te dire merci. Et nous demandons à Dieu de te bénir, de bénir tout ce que tu entreprends. Vraiment, 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 que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille. Amen. Amen. Amen.